Bonjour tout le monde, c'est Ikedil. Je vous retrouve pour la présentation du mode GPS en version 2.0. Principale amélioration par rapport à la première version, le mode est désormais compatible multijoueur. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les commandes, les raccourcis à utiliser. Pour l'activer, donc tous les raccourcis du mode GPS s'utilise avec la touche contrôle gauche. Pour l'activer, vous faites contrôle gauche plus la touche 0 de votre pavé numérique. Donc, tout de suite, vous voyez des bornes de limite, une ligne verte au centre, qui est donc la ligne à suivre, le cap à suivre, et les lignes rouges sur le côté qui représentent la largeur de l'outil. Alors, première chose à faire après l'avoir allumé, c'est régler la largeur de l'outil. Pour ce faire, vous pouvez le faire soit manuellement avec la touche CTRL et les touches plus et moins de votre clavier. Vous voyez également que s'affiche au-dessus la largeur de l'outil. Donc si vous connaissez la largeur de travail de votre outil, il suffit de le régler en fonction. Ou alors, vous pouvez le faire se régler automatiquement. Je vais vous montrer sur une autre machine par contre. Voilà, je l'allume avec CTRL 0 et je vais le faire régler automatiquement avec la touche CTRL plus la touche 3. Et vous voyez que automatiquement, hop, il se met ici à une hauteur de à une largeur de 14,3 m. Bien. Je vais retourner sur mon premier. Donc, réglage automatique. Alors, la seconde chose à faire en général également, c'est de définir l'alignement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous commencez votre champ sur le côté, c'est-à-dire en détourant votre champ, vous vous positionnez, vous allumez votre GPS avec CTRL 0, vous voyez que là il s'allume et il est sur la longueur du champ. Or vous, vous voulez faire la largeur. Ben, c'est pas compliqué, vous faites CTRL ENTER du pavé numérique et là, pof, il s'aligne correctement. Alors, ensuite, dans ce mode-ci, donc là, une fois que vous vous êtes aligné, vous pouvez commencer à travailler. Vous pouvez bien sûr vous aligner un petit peu mieux. Hein. Là, je m'aligne un petit peu mieux, je fais donc CTRL ENTER, il m'aligne un petit peu mieux, je règle la largeur de travail, voilà, ceci par exemple, et je me lance. Alors là, vous devez diriger vous-même votre tracteur en vous alignant sur la ligne verte. C'est un système passif. Vous pouvez le mettre en mode actif avec la touche CTRL plus Z, et là vous voyez il se met en mode actif, vous voyez en bas à droite, et là il va s'aligner automatiquement. Je vais changer de direction, voilà, je le mets en mode actif et vous allez voyez, hop, automatiquement il s'aligne. Si je dévie un tout petit peu de mon cap, automatiquement il va repasser en mode passif, il faudra donc le remettre en mode actif pour qu'il se réaligne. Alors, vous pouvez également définir un offset. L'offset, c'est en fait un décalage. Par exemple, ici, avec la faucheuse Pottinger déportée, évidemment, le but ici, ce n'est pas de vous aligner par rapport à la largeur de travail du tracteur, évidemment, puisque vous allez faucher sur le côté. Donc vous allez définir un offset avec CTRL, page précédente et page suivante, ce qui va vous permettre d'effectuer un décalage. Regardez, si je me décale un petit peu à droite et puis que je fais CTRL ENTER, vous voyez qu'il y a automatiquement un décalage qui va se faire sur la droite. Je vais encore me décaler un petit peu, ENTER, encore un petit peu, ENTER, et là vous voyez que le décalage est pratiquement le même que
celui de l'outil. Autrement dit, le tracteur va s'aligner sur la ligne bleue et vous allez pouvoir visualiser la zone de coupe avec la ligne verte qui représentera à peu près le centre de l'outil. Si je me lance, vous voyez que le tracteur suit bien la ligne bleue. Si je change de cap, de position, je repasse en mode actif et automatiquement il va suivre. Voilà. Et là vous voyez le petit bug, le problème de ce système-là. Donc pour moi c'est pas tout à fait au point. C'est-à-dire que même si je mettais par exemple en mode automatique, donc avec contrôle 3, alors avec contrôle 3 il détecte bien. Attendez, d'abord je vais l'aligner. Voilà, contrôle 3. Il détecte bien qu'il doit mettre un offset avec la ligne bleue puisque j'ai un appareil déporté. Mais il a du mal à le faire fonctionner. C'est-à-dire que si maintenant je le mets en actif, voilà, là pas de problème, il le suit. Si je me décale pour aller à la ligne suivante, voilà. Vous voyez, il a du mal à chaque fois à venir l'accrocher. Donc il faut à chaque fois se mettre en passif, venir s'aligner à petit peu près correctement. Et vous voyez, voilà, à chaque fois ça saute, c'est assez embêtant. Voilà. Donc pour l'instant, le système d'offset, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Il fonctionne, mais n'est vraiment pas pratique à utiliser. Donc dans cette version-ci, pour l'instant, moi je vous conseille de ne pas trop utiliser le système de correction d'offset, parce qu'il n'est pour l'instant franchement pas très utilisable. Par contre, le système GPS traditionnel, lui, il fonctionne super bien. Alors, à propos de l'offset également, donc quand vous faites contrôle page précédente et page suivante, vous déplacez l'offset. Si vous appuyez en même temps sur page suivante et page précédente, en plus évidemment de la touche contrôle, vous annulez l'offset. Alors, il existe également une correction angulaire. La correction angulaire, je vais vous le montrer. Quand vous êtes dans des champs et que vous devez partir en diagonale, parce que là vous remarquez que c'est soit vertical, soit à 90 degrés. Si vous êtes dans un champ et que vous devez partir en oblique, le système fonctionne aussi. Vous mettez en oblique, vous faites contrôle, et là vous voyez que dans ce mode-ci, si je me mets en oblique, l'oblique choisi par le mode ne correspond pas à l'oblique choisi par le tracteur. En fait, dans ce mode-ci, il va s'aligner par rapport aux obliques par défaut dans Farming Simulator 2013. C'est-à-dire qu'à partir d'une des nouveautés de la version 2013 était que lorsque vous ensemez ou lorsque vous déchaumez et que vous faites des obliques, la texture au sol va suivre une diagonale. Et en fait, dans ce mode-ci, il va suivre la diagonale du sol. Si vous voulez quand même utiliser une diagonale non prédéfinie, vous voulez sortir des rails, vous faites CTRL 1 et puis CTRL Enter. Et là, il va s'aligner par rapport à vos roues et non plus par rapport aux textures du sol. Je vais refaire CTRL 1 pour le réaligner par rapport aux roues. Alors, vous pouvez aussi sauvegarder. C'est-à-dire si vous décidez que cette position-là, c'est la position que vous allez suivre, vous faites CTRL étoile, et là vous voyez il va vous dire, je me trompe de bouton, CTRL étoile, voilà, il me dit Saving en bas à gauche, je change de machine, je fais CTRL slash à côté de la touche étoile. Et automatiquement, il va réutiliser la diagonale qui a été utilisée par le tracteur. Ce qui vous permet comme ça de changer de machine en gardant les mêmes réglages. Donc ici, je vais le réaligner automatiquement.
Je vais faire CTRL Enter et puis CTRL 3 pour positionner correctement le réglage. Voilà, c'est un petit peu... J'ai fait le tour des commandes. Donc il nous reste 5 minutes. Ben, on va un petit peu se lancer. Je le mets en mode actif. Vitesse 1. Et c'est parti. On va détourer notre champ. Alors, pour les besoins du tournage... Je vais accélérer un petit peu la vitesse. Ce ne sera plus une vitesse réelle. Si la vitesse réelle, c'est autour de 10 km/h. Mais ici, pour gagner un petit peu de temps, je vais l'accélérer. Vous voyez qu'il suit tranquillement l'alignement que vous avez défini. Je me remets en face, je baisse ma barre, je fais CTRL ENTER, il se réaligne, je mets en mode actif avec CTRL Z et on est reparti. Enter, CTRL Z, il se met en mode actif, c'est reparti. Et alors, pour éviter les manœuvres en bout de champ, le grand avantage du GPS, vous allez voir, alors sans GPS, habituellement, vous arrivez en bout de champ et vous allez effectuer une manœuvre pour venir vous aligner juste à côté et repartir dans l'autre sens. Et bien avec le mode GPS, vous ne faites pas de manœuvre, vous faites juste... Hop. Vous passez une rangée, vous vous mettez à l'autre rangée. Et c'est reparti. Passe en mode actif. Désolé, c'est moi qui ai trop tourné en fait, c'est pas le mode qui s'est trompé, c'est moi qui ai fait une fausse manœuvre. D'être toujours nickel. Alors ici sur un champ qui est finalement très petit, évidemment le gain n'est pas vraiment pas du tout significatif, mais sur de très grands champs vous évitez de faire trop de manœuvres en bout de champ à chaque fois, vous allez rapidement gagner énormément de temps de travail.